Le pédiatre nous adresse au Camps. C'est quoi À la visite des deux ans, le pédiatre s'inquiète sur le développement de Swann. Il commence à marcher et ne dit que quelques mots. À chacun son développement. Tous les enfants n'évoluent pas au même rythme. Les enfants marchent ou parlent plus ou moins tôt. Malgré tout, il existe des repères développementaux. La marche est généralement acquise entre 12 et 18 mois. Les premiers mots apparaissent aux alentours des 12 mois. L'enfant commence à associer deux mots, papa parti, encore gâteau, vers ses deux ans. Devant des inquiétudes sur le développement de votre enfant, le pédiatre demande des bilans en libéral, en orthophonie, en psychomotricité, en kinésithérapie et vous oriente vers une structure comme le CAMPS. Pour un diagnostic le camps qu'est ce que c'est c'est un centre d'action médico-social précoce un lieu où travaillent différents thérapeutes spécialisés dans le développement du petit enfant 0 à 6 ans le camps est composé d'une équipe pluridisciplinaire différents professionnels médicaux et paramédicaux vous pourrez y trouver un pédiatre un neuropédiatre, un pédopsychiatre des psychomotriciens des orthophonistes des kinésithérapeutes, des psychologues, des éducateurs spécialisés ou de jeunes enfants, une assistante sociale et parfois un ergothérapeute et un orthoptiste. La composition des équipes varie d'un camps à l'autre. Pourquoi le pédiatre m'adresse-t-il au camps Votre médecin peut vous orienter au camps pour plusieurs raisons. Dans le cadre d'une mission de prévention, suivie des grands prématurés, en surveillance avec des rendez-vous espacés. Lorsqu'on a des inquiétudes sur le développement de l'enfant, les consultations les plus fréquentes concernent des enfants qui ne marchent pas, certains ne parlent pas encore ou parlent mais on ne les comprend pas. D'autres ne regardent pas dans les yeux ou ne montrent pas du doigt. Certaines consultations portent sur l'agitation générale de l'enfant, d'autres sur des difficultés importantes d'alimentation. Au oh, cœur, sélectivité Comment prendre rendez-vous Vous pouvez appeler le CAMS. Vous enverrez des documents nécessaires, compte-rendu et courrier du médecin qui vous oriente. Votre dossier est étudié au cours d'une réunion appelée commission d'admission. Cette commission est un moment d'échange entre les différents professionnels. La réunion permet de voir si l'enfant dépend de cette structure. Si ce n'est pas le cas, vous seriez. orienté en libéral vers une autre structure. Le CMP, par exemple. Un premier rendez-vous est proposé avec un médecin, neuropédiatre, pédopsychiatre, pédiatre. Il est parfois accompagné par un autre professionnel, psychomotricien, psychologue, orthophoniste, assistante sociale. Le premier rendez-vous. Ce rendez-vous permet de faire un point sur le développement de l'enfant depuis sa naissance. Le médecin questionne sur les étapes de développement moteur, psychomoteur, langagier et relationnel. L'objectif est de découvrir les compétences de l'enfant et ce qui reste difficile pour lui. Après ce premier rendez-vous, une discussion en équipe a lieu. Elle permet de réfléchir au bilan à effectuer. Le kinésithérapeute ou le psychomotricien examine un décalage dans l'âge de la marche. L'orthophoniste évalue le développement du langage et de la communication. Des soins peuvent être proposés avec votre accord. Les soins au CAMS. L'équipe propose un soin adapté à chaque enfant. Il est vu chaque semaine, seul ou en groupe. Les groupes sont assez fréquents au CAMS. Ils sont encadrés par plusieurs professionnels, souvent deux, un orthophoniste et un psychomotricien par exemple. Ils sont composés de trois ou quatre enfants. Ils permettent un travail en petits groupes sur la communication, la motricité, les relations avec les autres enfants ou l'alimentation. Parfois, les rendez-vous seront plus espacés. Ces rendez-vous permettent d'accompagner les parents, de leur donner des conseils à reprendre à la maison. C'est la guidance. Y a-t-il toujours un orthophoniste au CAMS Les structures manquent souvent d'orthophonistes. En effet, les postes dans les structures médico-sociales ne sont pas attractifs sur le plan du salaire. Le recrutement des orthophonistes formés en 5 ans à l'université est donc difficile. Ainsi, ce n'est pas parce que vous êtes adressé au CAMS que vous pourrez rencontrer un orthophoniste. Il est donc possible que le médecin du CAMS vous oriente en orthophonie en libéral. Dans tous les cas, le projet de soins est réévalué chaque année et s'adapte à l'évolution de l'enfant. Les objectifs des séances d'orthophonie sont un travail de communication, la compréhension et ou de la production du langage, ou encore un travail sur l'alimentation. Avec de si jeunes enfants, le travail passe par le jeu. Et après 6 ans Le CAMS accompagne l'enfant jusqu'à ses 6 ans. Si l'une des prises en charge doit être poursuivie après, un soin en libéral est réalisé. Si l'enfant a besoin d'une prise en charge plus globale, il est orienté vers une structure adaptée. CMP, CMPP, CESAD, IME. Le CAMS est une structure composée d'une équipe pluridisciplinaire spécialisé dans le développement du petit enfant. En cas d'inquiétude sur le développement de l'enfant, le médecin adresse la famille vers ce type de structure pour un diagnostic. Les différents professionnels proposent à l'enfant le projet de soins le plus adapté.